faire le coucher de soleil avec les dromadaires. Mais j'ai pas assez. Pourquoi? Parce que moi je voyage autostop, sans argent. Sans argent. Depuis la Belgique jusqu'ici, je suis descendu. Ah oui. Sans rien. Après une journée un peu plus luxe, j'ai envie de dire, que j'ai passé à Rachidia, évidemment, j'ai rencontré tous mes amis et du coup j'ai de nouveau bien mangé, j'ai de nouveau bien dormi. En gros, je suis devenu un peu fainéant, quoi. C'est toujours comme ça quand on prend l'habitude de se poser, etc. Après, reprendre la route, c'est difficile. Mais voilà, il faut y aller, quand il faut y aller, il faut y aller. Il fait crevant chaud. Alors aujourd'hui, il n'y a même pas de soleil. Si vous regardez le ciel, on voit qu'il y a même des nuages. Donc, c'est pas le soleil tapant. Et pourtant, c'est vraiment difficile à supporter la chaleur. Et moi, je descends encore plus dans le sud, vers le désert. Donc, il fera encore plus chaud. Là, je suis en train de traverser un pont. Un pont au-dessus de la rivière. L'ouette qui s'appelle le Ziz. Alors, je voulais regarder à quoi il ressemble maintenant, c'est-à-dire en juillet, le mois le plus chaud. La rivière, elle ressemble à ça. Il n'y a plus de rivière, quoi. Elle est toute sèche. On voit le lit de la rivière. C'est de la terre, mais sec, quoi. Je ne sais pas si en creusant, il y aura peut-être moyen de trouver de l'eau. Même le vent est chaud. J'ai l'impression d'être dans un four. Si tout va bien, dans 130 km, on est dans le désert. Et donc, notre but sera accompli. Et ouais, 2 semaines, puisqu'on est samedi. Bon, on se voit tout à l'heure sur la route. J'espère que je ne fais pas un stop le plus vite possible, parce que c'est quand même 130 km. Et il est déjà assez tard, puisque encore aujourd'hui j'étais invité à manger et tout ça, enfin bref, il est déjà 14h35, donc il faudra se dépêcher un peu sur la route. Allez, ciao. Et j'ai de nouveau eu de la chance, puisque le stop que j'ai attrapé allait droit à Merzouga, le village où je me dirigeais. Nous arrêtions de temps en temps pour contempler le paysage de certaines vallées.
Plus on approchait le désert, plus on découvrait des choses merveilleuses. Au bord de la route, un geyser actif qui crache de l'eau chaude en continu. Le désert de roches noires basaltiques est la dernière étape avant le Sahara. Nous arrivons à Merzouga, le but final de mon voyage. Et là, la première chose que je vais voir sont les chameaux. Je rencontre un éleveur qui me propose de goûter le lait de chameau. Il est temps pour moi de se préparer pour la nuit.
bon, nous voilà arrivés à Merzouga. C'était le but de tout mon voyage et aujourd'hui on est samedi, donc après deux semaines on y est. Le but c'était justement d'arriver ici à Merzouga, donc le village qui n'a rien à cacher, il est un peu touristique parce que c'est... Voilà, c'est l'endroit, hein. C'est au Maroc, il y a des endroits touristiques, il y a des endroits moins touristiques. Celui-ci, pour sa beauté, il est bien fréquenté. Mais je voulais absolument venir ici parce que c'est vraiment la porte vers le désert de Sahara. Et donc je dors ici ce soir, comme vous pouviez le voir, avec les petits qui m'ont aidé à monter la tente. Entre temps, ils m'ont un peu pris tout ce que j'avais à manger, mais bon, voilà, moi je ne peux pas avec les enfants. Quand ils sont là, je leur ai donné un crayon à chacun, je leur ai donné un peu de noix et des bouteilles vides puisqu'ils sont là à ramasser des bouteilles. Donc c'est des gens qui se débrouillent ici et qui attendent l'arrivée des touristes pour gagner ne fût-ce qu'un peu d'argent. Bon, c'est des petits quoi, ils comprennent pas que moi je voyage, que tout ce qui me reste dans ma poche c'est 210 dirhams, donc l'équivalent de 20 euros. Et qu'avec ça je dois essayer de retourner au moins, au moins en Europe. Voilà, après nous y sommes quoi, nous y sommes après deux semaines, c'est quand même fou. Mon but c'était d'arriver ici, de monter sur un chameau et comme vous avez pu le voir aussi, ici je me suis fait un pote qui est un éleveur de chameaux, puisque les stands de chameaux qui font les trajets dans les dunes de sable sont juste ici, on les voit au loin. Et demain, bah, le plan pour demain c'est que je range mes affaires, vu que j'ai pas beaucoup d'affaires, je prends mon sac sur le dos et je me dirige par là-bas. Donc nous y sommes, c'est vraiment le désert maintenant. Et donc voilà, demain je monte, je passe un petit temps là-bas, je redescends et je pense qu'on va reprendre la route vers Errachidia après qu'on ait accompli le but du voyage. Enfin bref, je sais pas, je suis super content d'être ici parce que c'était mon but. Arrivé à Merzouga, monter un chameau, et ça on va voir demain s'il y a moyen de négocier encore avec nos potes là, parce que la balade elle coûte 200 dirhams et c'est con, moi j'ai plus que 200 dirhams dans ma poche, donc je vais pas dépenser tout pour faire une balade en chameau alors que c'est tout ce qui me reste. Donc voilà, moi petit à petit le soleil commence à se coucher, donc je vais me préparer pour la nuit. Enfin la tente est déjà faite, donc en soi il n'y a plus rien à faire. On se voit demain, allez, ciao, la vie est route.